Bonsoir, chers amis. Alors, je voudrais déjà présenter mes excuses parce que je n'ai pas annoncé ce direct. Contrairement à mes habitudes, j'annonce toujours mes directs, notamment les thèmes, etc. Donc, je voudrais m'en excuser. Alors, comme d'habitude, vous connaissez le modus operandi de mes directs. Vous pouvez interagir en commentaire sous le direct. Vous pouvez également appeler sur mon WhatsApp 07 07 31 32 82, donc indicatif Côte d'Ivoire, et poser vos questions. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons faire un décryptage de l'actualité. C'est un décryptage général. Ça veut dire que c'est vous qui allez faire l'actualité. Je ne répondrai qu'à vos questions. Voilà. Donc il n'y a pas un terme en particulier qui sera développé. Ce sont vos questions donc, qui vont meubler ce direct que nous allons faire. Voilà. Donc deux voies royales donc, pour intervenir. Le WhatsApp. 07, voilà, 07, j'ouvre le micro, voilà, 07 07 31 32 82, et laissez donc vos commentaires, voilà. Alors, je vais rapidement saluer quelques super fans, et puis dès que nous sommes à 150 connectés, on va commencer. Voilà. Alors, Sangaré Mohamed, bonsoir. Lofissoum, bonsoir. Oemi Suleiman, bonsoir. Fabrice Boni, bonsoir. Alors, Amadi, que pensez-vous de la dernière sortie du président Laurent Gbagbo? Oh, je suis resté sur ma faim. Je suis resté sur ma faim. Je m'attendais notamment à ce qu'il rende un hommage à son ex-ministre Charles Blé Goudé. Mais bien au contraire, il a montré qu'il n'avait rien, il n'avait plus rien à voir avec Charles Blé Goudé. Vous avez vu que son parti n'était pas représenté au congrès du PPACI. Et pourtant, Charles Blé Goudé a passé près de 10 ans, près de 10 ans à côté du président Gbagbo à la CPI. Il a été arrêté à cause du président Gbagbo à la CPI. Et donc, je trouve un peu triste. Qu'il ne réclame pas sa libération, qu'il ne se batte pas pour que Charles Blé Goudé ait un passeport, qu'il ne se batte pas pour que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, qu'il ne lui rende pas un hommage appuyé. J'ai été attristé par cela. J'ai été également attristé par les propos qu'il a tenus à l'encontre de sa femme officielle, Simone Gbagbo. En disant, bon, écoute, elle vient ou elle vient pas, peu importe, nous on avance, nous on avance. Bon, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on devrait parler de son épouse. Et enfin, j'ai été désappointé par sa sortie sur l'international, notamment sur la question tchadienne, où il a dit que ce n'était pas son affaire. Bon, bref, voilà. Alors, Cyril Gaspard, Jean Bonnet, tu occupes quel poste maintenant au FPI? Je n'occupe plus de poste au FPI. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai démissionné de. J'étais vice-président du FPI, j'ai démissionné de mon poste de vice-président, mais bien plus, j'ai quitté le FPI. Voilà, j'ai quitté le FPI, mais j'ai gardé de très bonnes relations avec le président du FPI, Pascal Afinguessan. Je n'ai pas quitté le FPI parce que j'avais un problème avec Afinguessan. Voilà, j'ai quitté le FPI essentiellement pour des raisons professionnelles, voilà, d'incompatibilité professionnelle. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai quitté le FPI.
Mais je garde de très bonnes relations avec le président Finguessa. Il est actuellement en France, moi-même je suis en France, et on a eu à se rencontrer, on a échangé, on a dîné ensemble, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Mais actuellement, je ne suis plus militant du FPI, je n'occupe plus aucun poste au FPI. Voilà. Alors, d'autres questions? Que pensez-vous du nouveau FPI Francis Comoué? Oui, le FPI tiendra un congrès, je crois le 13 novembre, le 13 novembre je crois, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va ce que sera le nouveau FPI. Voilà. Mais avant ce congrès, ça va être difficile. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je suis heureux que cette dualité qu'il y avait au FPI, où Gbagbo se prétendait être le président du FPI, d'autres disaient FPI pro Gbagbo, FPI pro Afi, FPI pro Simon, etc. Je suis content que cela ait pris fin, voilà, avec la création d'un nouveau parti, le PPACI. Donc cette question ne se pose plus. Je suis également content que des gens qui ont clairement montré leur penchant xénophobe ou tribaliste, comme Marie-Odette Lourignon, comme Lida Kouassi et bien d'autres également, ne fassent plus partie du FPI parce que j'étais très mal à l'aise de côtoyer ces personnes-là. Parce que souvent, quand vous êtes dans un parti, les gens ont l'impression que vous partagez toutes les valeurs ou toutes les déclarations émises par certaines personnes. Non. Ceux qui sont au FPI me connaissent. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'étais pas du tout d'accord. Et je le fais savoir quand je ne suis pas d'accord. Évidemment, ce sont des choses que je n'étale pas au public, mais je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que un clan ou des personnes disent. Voilà, je ne porte pas le chapeau des autres, je porte mon propre chapeau. Voilà. Le refus de Gbagbo de planter ses excuses à la nation. Bon, je trouve ça aussi dommage. Dans cette crise post-électorale, tout le monde a fauté. Tout le monde a fauté. Voilà. Charles Blé Goudé a prêté ses excuses et pourtant, il n'était pas chef d'État. Soro Guillaume a prêté ses excuses. Je crois même que Henri Conan Bédier également. Donc, bon, Gbagbo dit qu'il n'a pas d'excuses à présenter. Bon, c'est aux Ivoiriens à juger. Alors, Al Koné, vous, oh là, c'est bon, dommage. Alors, les questions circulent très, très, très vite. Voilà, les questions circulent très vite, les commentaires, pardon. Et donc, n'hésitez pas à les reposer à chaque fois pour que j'aie le temps de les lire. Voilà. Lion Rouge, est-ce à dire que. C'est déjà passé. Jean Bonnet, j'ai une question qui me fatigue. Pensez-vous que l'ex-président Laurent Gbagbo est un panafricain? Si votre réponse est positive, je souhaiterais que vous donniez la signification au mot panafricanisme. Non, je ne pense pas que le président Gbagbo soit panafricain. Pourquoi? D'abord, parce que les meilleurs amis de Gbagbo, ce n'est pas des Africains. Ses meilleurs amis, ce sont des Français. Quand Gbagbo est parti en exil, sous le PDCI, il n'est pas allé dans un pays africain pour se réfugier. Il est allé en France. Voilà. Gbagbo ne voulait pas entendre parler d'une sortie du franc CFA. Au contraire, il s'était engagé à convaincre des pays comme le Ghana de rejoindre le franc CFA. Et donc, ce sont autant de signes qui montrent que il n'est pas panafricaniste, parce que en fait, le panafricanisme, c'est celui qui œuvre à la consolidation en une unité politique, culturelle, sociologique d'un État supranational africain. C'est ça le but ultime des panafricanistes. Voilà. Or, ce n'était pas ça le but ultime du président Gbagbo. D'ailleurs, on l'a vu. Hein, il n'avait pratiquement pas d'amis en Afrique, excepté peut-être l'Angola. Il n'avait pas d'autres amis.
Donc ça montre bien la dimension. Maintenant, aujourd'hui, les gens changent, la prison permet de se bonifier. Donc peut-être il embouche cette nouvelle trompette parce qu'il a peut-être changé. Parce que quand il était en détention, il y a certains pays africains, comme notamment le Cameroun, hein, qui a pris fait et cause pour lui. Mais à ma connaissance, en dehors du Cameroun, très peu de pays ont pris fait et cause pour lui. Aucun chef d'État en exercice ne lui a rendu visite. Aucun ministre en exercice ne lui a rendu visite. Bon, donc maintenant, s'il dit qu'il est panafricaniste, ben, attendons de voir quel est son projet. Parce que le panafricanisme, au-delà des slogans, c'est une proposition concrète. Voilà, c'est une conceptualisation. Par exemple, Muammar Kadhafi était panafricaniste. Il voulait qu'on ait les États-Unis d'Afrique. Et pour ça, il était prêt à mettre 420 milliards de dollars sur la table pour créer le Fonds monétaire africain. Il était prêt à mettre en place une banque centrale africaine, donc qui allait émettre une monnaie africaine unique. Oui, et donc c'est ça le panafricanisme, c'est ça qui est concret. Voilà. Donc on attend de voir quel est le projet nouveau panafricaniste de Gbagbo et après on jugera. Alors, ne pensez, franchement, Monsieur Bonnet, je souhaiterais que. Oh là là, ça passe. Franchement, les gars, excusez-moi, mais ça passe tellement vite. Que je souhaiterais que vous reposiez des questions pour que j'aie le temps de lire. Voilà. Que devons-nous retenir de M. Gbagbo? Alors, bon, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu une cérémonie festive. Voilà. Mais il n'y a pas eu un discours structuré de la part de M. Gbagbo. Il n'y a pas eu une orientation politique sur son projet panafricaniste, sur son projet socialiste. Et donc, je suis resté sur ma faim. Parce que le Congrès est le lieu, le moment précis où on va donner les grandes orientations idéologiques qu'on entend mettre en place et pour lesquelles on entend se battre. Or, on a eu droit à ma copine et Kwata Kwata, son mari est Gao, c'est ce qu'on retient. Voilà, il n'y a pas de projet politique derrière derrière ce congrès en dehors de slogans vides. Voilà. Comment je sais qu'aucun ministre ne lui a rendu visite? Parce qu'il a parlé des gens qui sont allés lui rendre visite. Il n'a jamais dit qu'il y avait un chef d'État ou un ministre en exercice qui lui avait rendu visite. Oh là là, ça passe trop vite. Concernant les exilés, je trouve. Bon, j'ai pas pu lire. Quel poids aura le PM Afi en 2025, sachant le fiasco électoral en l'absence de Gbagbo? Non, il n'y a pas eu un fiasco électoral en l'absence de Gbagbo. En 2016, une grande majorité des Ivoiriens a boycotté l'élection. Voilà. Les gens parlaient d'un taux de participation de 15 à 20%. Voilà. Donc, et Affin Nguessan n'a pas affronté le candidat d'un parti politique. Il a affronté le candidat d'un groupement de partis politiques. Voilà. Donc, il a affronté le candidat du RDR, du PDCI, de MFA, de UDPCI, et tout cela, le candidat était M. Ouattara. Donc, c'est différent. Voilà. Il ne faut pas confondre. Quand le FPI était dans l'opposition, le FPI uni dans l'opposition, c'était une dizaine d'élus. Voilà, pas plus. Donc aujourd'hui, EDS par exemple a 18 députés. Mais EDS a 18 députés pourquoi? Parce que EDS était en alliance avec le PDCI. Et donc là où EDS s'est présenté contre des candidats du PDCI, EDS a perdu partout. C'est comme ça que Marie-Odette Le-Rougnon a perdu face à Guy Kahué. C'est comme ça que Lida Kouassi a perdu à Lakota. C'est comme ça que Agnès Monnet a perdu à Abou, dans la région de la Mé. Vous voyez? Et donc, pour qu'ils aient ces députés-là, il a fallu que dans ces localités, comme par exemple à Beaunois, le PDCI ne présente pas de candidat. Voilà. Donc, ça a été un vote PDCI
EDS pour qu'ils puissent avoir ça. Donc, on ne peut pas juger de la valeur d'un parti politique à partir d'un vote, je dirais, issu d'une alliance. Voilà. Si le FPI se met en alliance avec, je prends un exemple, avec le RDR ou le RHDP à Dimokro, et que je suis le candidat du FPI et que je gagne, je ne peux pas dire que le FPI a gagné, puisque j'aurais également bénéficié des voix du RDR ou d'autres partis qui sont partis de l'alliance. Donc, c'est un faux jugement qui est fait à Fingessan, et j'espère que les élections à venir le montreront. Bien, alors, Serge Benogo, oh, c'est déjà passé. Ne pensez-vous pas que c'est mieux? Alors, vraiment, ça passe trop vite. Hein. Je ne sais pas comment ralentir ça. Si vous savez comment ralentir le défilement, vous me dites, comme ça, je vais. Alors, eux, le cas Soro. Bon, alors, si on s'en tient aujourd'hui à la décision, à une décision de justice, GPS a été dissoute. Le Soro a été condamné. Il a été condamné, donc il ne jouit plus de ses droits civils et politiques. Et donc, à ce titre, il ne peut pas être candidat en 2025. Sauf si, évidemment, le chef d'État prend une ordonnance d'amnistie ou le Parlement vote une loi d'amnistie. Voilà. Pensez-vous que M. Affini pourra tenir tête à M. Gbagbo, sachant la majorité des partisans du FPI seraient plus favorables à la création? Mais d'abord, je ne sais pas pourquoi les gens disent que la majorité des militants du FPI. Non. Les gens qui soutiennent Gbagbo ne sont pas tous des militants du FPI. Comme les gens qui soutiennent M. Ouattara ne sont pas tous des militants du RHDP. Voilà. Le FPI a des fédérations. Et au sein des fédérations, il y a des militants qui payent leur cadre, qui cotisent. Ce sont ceux-là qu'on appelle les militants. Et ces militants-là sont restés au FPI. Voilà. Quand M. Gbagbo a créé son parti, il y a à peine 3 ou 4 personnes qui ont quitté Afinguessan. Konaté Navigué, je ne sais plus qui là. Voilà. Mais la majorité, le ministre Komoué, Augustin, est resté avec Afinguessan. La ministre Christina Diobi est restée avec Afinguessan. La ministre Christine Kona est restée avec Afinguessan. Le ministre Touré Amara est resté avec Afinguessan. Le ministre Yapo Assé Benjamin est resté avec Afinguessan. Donc ils sont nombreux, ces anciens ministres, ces hauts cadres qui sont restés à Afinguessan. Sauf que, contrairement aux Gor, ils ne font pas du bruit. Et donc on a l'impression qu'Afinguessan est esseulé. Non, ils travaillent méthodiquement, ils travaillent dans la discipline. Voilà. Alors, à propos du troisième mandat, je voudrais vous poser une question. De 2000 à 2010, l'ex-président a passé 10 ans au pouvoir, donc 2 mandats. Si le président Gbagbo était élu en 2010, dommage, j'ai pas pu lire toute la question. Faites des questions courtes pour que je puisse lire. Selon vous, quel avenir la relation Babo Charles Blé Goudé? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je sais que j'ai rencontré Charles Blé Goudé. Il a beaucoup changé. Il a beaucoup gagné en maturité. Il a un discours rationnel. Il a un discours rationnel. Et donc, c'est quelqu'un que j'apprécie aujourd'hui. Voilà. Maintenant, à savoir sa relation avec Babo, ça, c'est à eux qu'il faudrait dire, de demander. Oui, allô? 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 Oui? Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur Bonnet. Oui? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Bonnet. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, je voulais commencer par vous féliciter pour vos vidéos. Merci. Parce que vraiment, j'avoue que j'apprends toujours quelque chose en vous écoutant. Merci. Je voulais vous encourager donc. J'ai une question qui me taraude l'esprit, que je voulais partager avec vous. Oui. Oui, c'est à propos du troisième mandat. Oui. C'est
Je voulais savoir, le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000. Oui. Il a arrêté d'exercer la fonction de président à l'issue des élections de 2010, lesquelles il était candidat. Alors, je voulais savoir, de 2000 à 2010, ça fait 10 ans, selon donc moi, deux mandats. Alors, s'il était élu en 2010, alors, on devrait parler du de troisième mandat, là où la Constitution passait, parler de deux mandats, ou je voulais avoir votre opinion sur la question. Ok, alors la réalité, c'est que dans notre constitution, un mandat se termine par une nouvelle élection ou par la prise du pouvoir d'un nouveau président. Voilà les deux cas pour donc un mandat s'achève. Or, il n'y a pas eu d'élection en 2005, et donc on peut considérer que avec les accords politiques. Avec les accords politiques, notamment de Marcoussi, de Kléber, etc., il y a eu donc un mandat de 10 ans. Il y a eu un mandat de 10 ans. Cela dit, la constitution de 2000, qui institue la Troisième République, a remis les compteurs à zéro. Et donc les compteurs sont à zéro pour tout le monde, y compris M. Laurent Gbagbo. Voilà. Merci. Le prêt de crédit que les gens vous accordaient risque de disparaître. Gbagbo n'est pas au pouvoir. Un opposant doit critiquer le parti au pouvoir et non l'opposition. Cher ami, je vous ai dit que je ne suis plus membre du FPI. Donc je ne suis pas opposant, je ne suis pas non plus membre du pouvoir. Voilà, j'ai été vice-président du FPI, j'ai été directeur de campagne départementale de Gbagbo, mais je ne suis plus au FPI. Donc, je ne sais pas pourquoi on me dit, je ne suis pas opposant, je ne suis opposant à personne. Voilà, je critique M. Ouattara quand je veux. Et pendant la désobéissance civile, vous avez vu le rôle que j'ai joué sur les médias. J'ai même dû partir en exil. Et donc, voilà, je n'ai pas de leçon d'opposition à recevoir des gens qui font la politique derrière leur clavier, derrière leur écran, sur Facebook. Voilà. Pendant la décembre civile, on était sur le terrain et on a vu ce que Afinguessan ou moi-même avions fait. Voilà. Aujourd'hui, je ne me considère plus comme un opposant à qui que ce soit. Donc, je critique aussi bien le pouvoir RHDP que le pouvoir que l'opposition. Voilà. Aujourd'hui, c'est M. Gbagbo qui fait l'actualité. Donc, je critique M. Gbagbo. Si demain, c'est M. Billon qui fait l'actualité, ben je parlerai de M. Billon, je l'encenserai ou je le quitterai. Je quitterai. Le problème, c'est que ce qu'on appelle les gores ne supportent pas la critique. Voilà, ils ne supportent pas la critique. Quand vous critiquez les champions, au lieu de vous apporter une réplique intellectuelle structurée, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Oui, tu as été candidat à Dimoko, tu n'as pas gagné. Mais où est le rapport? Où est le rapport? Il n'y a aucun rapport. Voilà. Et ceux qui disent j'étais candidat, j'ai pas gagné, eux, ils ont gagné combien d'élections? Ils n'ont jamais été même peut-être chef de classe. Voilà. Donc je me suis présenté effectivement. Je n'ai pas gagné, mais j'ai été élu par les populations de Dimoko. Voilà. En 2018, avec 46%, je suis venu en deuxième position. En 2018, en 2021, je crois avec, je sais plus, il faut que je regarde. Mais je suis venu en troisième position. En troisième position, je suis 8 candidats. Voilà. Donc, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Quand on vous pose un problème juridique, un problème social, un problème économique, il faut apporter des réponses au problème qui est posé et ne pas chercher des fuites en avant du genre oui, mais toi tu n'as pas été élu. Mais où est le rapport? Il n'y a aucun rapport. J'ai jamais dit que je vais être président de la République de Côte d'Ivoire. Jamais dit. Voilà. Donc il faut apprendre ça. Si vous arrivez à apprendre ça, alors on va pouvoir engager le débat démocratique. Mais pour ça, il faut avoir un minimum de culture politique, un minimum de culture, de formation économique pour pouvoir donc répondre. Voilà. Quand je dis que, après avoir échoué à rassembler sa propre famille politique, ce n'est pas évident de rassembler l'Afrique. Mais vous m'apportez des éléments pour contredire cela.
Et on engage le départ, mais oui, tu n'as pas été élu, oui, tu n'as pas été élu. C'est trop petit. Et ça montre bien pourquoi certains sont babos ou rien. Parce que, voilà, en dehors du suivi moutonnier, ils n'ont pas été capacité de se lever intellectuellement. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir, Allô? monsieur Bonin. Oui, bonsoir, monsieur, vous êtes en direct, allez-y. Oui, c'est monsieur Kouyaté. Oui, monsieur Kouyaté, allez-y. Bon, d'abord, j'aimerais savoir, je vous ai pris en cours, mais je ne connais D'accord. pas le sujet. D'accord. Il n'y a pas un sujet. Vous Voilà. posez la question d'actualité qui vous intéresse. Ah, d'accord. OK. Bon, ben, moi, c'est l'interview de votre président Afingessan. Oui. Même si vous ne faites plus partie, je trouve que maintenant, il est libre de toutes ses actions parce que et cette histoire du FPI, Gbagbo, FPI, et comment on appelle Afingessan, ça avait commencé à embêter un peu les Ivoiriens. Bon. J'ai trouvé un peu que M. Laurent Gbagbo n'est pas sincère dans ses dits. Mais écoute, pour ma part, c'est son problème. Mais j'aimerais que Afingessan et Simone Gbagbo se rapprochent hein, pour mener le combat. Est-ce que Afi, parce que Afi a déjà fait le pas à Simone Gbagbo, vu ça dans la presse, où il invite Simone Gbagbo de lui rejoindre, hein, ce qui est normal. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt vous-même à rejoindre Afingessan pour continuer le combat? Parce que là, on sait qu'il faut partir. Merci, Hein? merci bien. Merci, je Voilà. vais vous répondre. Alors, donc, Oui. deux questions. La première, est-ce que Afingessa et Simone Gbagbo vont se rejoindre? Bon, vous savez, comme on dit en politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. Voilà, il n'y a pas d'alliance contre nature. C'est Gbagbo d'ailleurs qui l'a dit à l'époque quand il était en alliance avec le RDR dans le cadre du Front républicain. Afingessa est conscient que c'est uni qu'on est fort et non pas désuni. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a lancé donc un appel à Simone Gbagbo de le rejoindre pour qu'ensemble ils continuent la lutte pour l'instauration d'une démocratie plurielle en Côte d'Ivoire. Pour le moment, elle n'a pas encore répondu. Est-ce qu'elle répondra? Je n'en sais rien. Mais je sais que c'est la volonté de beaucoup de militants du FPI. Parce que le FPI a une histoire. Et Simone Gbagbo a écrit également, en tant que membre fondatrice du FPI, cette histoire de ce parti-là. Alors, en ce qui me concerne, est-ce que je vais rejoindre le FPI? Je n'en sais rien. Ce n'est pas exclu pour le moment. Je suis sur une mission qui ne me permet pas d'être dans un parti politique. Quand j'aurai fini cette mission, alors j'aviserai où j'irai. Oui, allô? Ah, il a coupé. Voilà. Que pensez-vous du retour de la limitation d'âge? Alors, ce que je pense, c'est que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'une constitution, elle est faite relativement à un environnement politique et sociologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à la Troisième République. En France, ils sont à la Cinquième République. Donc, la Constitution, c'est la norme suprême qui organise le fonctionnement des institutions. Et si on estime que les institutions ne fonctionnent pas, que le pays ne fonctionne pas, c'est la norme suprême qu'il faut donc réviser. En 2000, il y a eu une constitution qui a été votée. Une nouvelle constitution par référendum. Par référendum. À plus de 86% des Ivoiriens, tous les partis politiques ont voté pour cette constitution. Et cette constitution limitait plafonnait l'âge limite pour être président à 75 ans. Personne n'a trouvé un redit. Pourquoi on a enlevé cette. Pourquoi on a mis ce plafonnement? Alors que sous Didier, sous Houphouët-Boigny, il n'y avait pas ce plafonnement. Parce qu'on estimait que Houphouët-Boigny avait trop duré au pouvoir, qu'il était trop vieux et il a quitté le pouvoir mort. Vous voyez? Et donc, c'était pour ça. En 2010, lors de la présidentielle, Gbagbo disait,
Après 75 ans, après 75 ans, on n'a plus toutes ces facultés mentales pour diriger un pays de façon optimale. Bédier disait la même chose. Bédier disait la même chose. Alors, qu'est-ce qui a changé du jour au lendemain pour que ils reviennent sur leur parole? Et c'est ça qui discrédite la politique en Côte d'Ivoire, qui fait que les Ivoiriens n'ont plus confiance à la politique et dans les hommes politiques. Parce qu'ils disent un truc le matin et ils disent autre chose l'après-midi. Voilà. En 2016, le FPI a appelé à boycotter le changement constitutionnel. Les Gaures ont même organisé un boycott actif. Ils ne voulaient pas de cette constitution. Donc, si cette condition n'avait pas été prise en 2016, on serait au plafonnement de l'âge limite à 75 ans. Donc, il faut un minimum de constance en politique. Il faut un minimum de cohérence. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que on a deux camps. Il y a ceux qui veulent que M. Bédié et M. Gbagbo soient candidats en 2025. En 2025, M. Gbagbo aura 81 ans. Donc, il va commencer un premier mandat à 81 ans. M. Bédié, je crois, aura je crois 92 ans ou je ne sais plus combien. Il va commencer son premier mandat à 92 ans. Écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je suis pour une transmission pacifique du pouvoir à une nouvelle génération. Vous voyez, en Gambie, ils ont mis l'âge maximum pour être président à 65 ans. C'est pas 70 ans, c'est pas 75 ans, 65 ans. En Gambie, après 65 ans, vous ne pouvez plus être président de la République. Vous ne pouvez plus postuler. Donc, une modification constitutionnelle est d'abord et avant tout un élément sociologique qui tient compte de la sociologie du pays à un moment donné. Ça fait 30 ans en Côte d'Ivoire que nous assistons à un rodéo politique entre M. Gbagbo, M. Bédié et M. Ouattara. Ça fait 30 ans. Dans les années 90, M. Ouattara et M. Gbagbo se sont mis ensemble dans le Front républicain pour combattre le PDCI de M. Bédié. Ensuite, en 85, en 2005, M. Bédié et M. Ouattara se sont mis ensemble pour combattre dans le RHDP, pour combattre M. Ouattara. Aujourd'hui, M. Bédié et M. Gbagbo se mettent ensemble, pardon, pour combattre M. Bédié. Aujourd'hui, M. Gbagbo et M. Bédié se mettent ensemble pour combattre M. Ouattara. En 2025, on aura encore M. Gbagbo, M. Bédié contre M. Ouattara. Et si M. Ouattara tombe, demain on aura qui encore? M. Ouattara, hein, M. Gbagbo ou M. Bédié. On ne peut pas sortir de ça. Or, on sait que ces alliances mortifères-là ont entraîné des milliers de morts en Côte d'Ivoire depuis une trentaine d'années. Toutes les grandes crises en Côte d'Ivoire, toutes les grandes crises électorales sont. Pardon, toutes les grandes crises en Côte d'Ivoire sont des crises électorales qui entraînent des centaines de morts. On l'a vu en 95 avec le boycott actif. On l'a vu en 2000 avec Guy qui a voulu confisquer le pouvoir et tous les morts qui s'en ont suivi. On l'a vu en 2000, en 2010, 2011 également. Donc, il faut qu'on sorte. Or, les candidatures de M. Bédié, de M. Gbagbo, de M. Ouattara cristallisent trop de passion. Ce sont des candidatures qui cristallisent trop de passion. Il y en a qui disent, nous sommes des ados moutons, donc on ne réfléchit pas. Ce que M. Adono dit, c'est ce qu'on fait. Il y en a qui disent, nous sommes des babos ou rien. Le babo est un programme qui l'est tué, qui n'est pas tué, on s'en fout, nous, on est des babos ou rien. Mais on ne va pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut donner également la chance à ceux qui transcendent les clivages politiques, les clivages ethniques, les clivages communautaires, de proposer un programme de gouvernement aux Ivoiriens. Et que les Ivoiriens choisissent en âme et conscience par rapport aux promesses électorales réalistes.
Mais il vous suffit de prendre la cartographie électorale de la Côte d'Ivoire pour voir. Le Grand Nord est RDR, RHDP. Le centre et les zones ouest où les Baoulés sont nombreux, c'est PDCI. Et le Grand Ouest est majoritairement pro-Gbagbo. Pourquoi? Parce que M. Ouattara est du nord, M. Bédié est du centre, M. Gbagbo est de l'ouest. Et si vous prenez l'ouest montagneux, il est principalement UDPCI. Parce que M. Guéï Roubert, parce que M. Mabu Touakeuse vient de là. Et donc, les populations épousent des considérations ethniques, communautaires, s'en foutent royalement de ce que vous leur proposez, s'en foutent royalement des programmes de gouvernement. Et c'est les mêmes populations après qui viennent pour dire, on les vote, ils font rien. Mais vous n'avez pas voté quelqu'un pour son programme de gouvernement. Vous avez voté quelqu'un parce qu'il est baoulé, parce qu'il est bété, parce qu'il est djoula. Et donc, il faut vous en contenter. Vous avez voté quelqu'un qui n'a pas de programme. Et s'il a un programme, vous n'avez pas fait l'effort de voir si ce programme-là est réaliste ou pas. Et c'est pour ça que j'appelle à un changement des mentalités, à une évolution des mentalités. Et donc, je suis pour que il y ait cette limitation d'âge, ce plafonnement à 75 ans. Voilà. Toutes les constitutions sont discriminatoires. En Italie, pour pouvoir être président, il faut avoir au moins 50 ans. En Chine, il faut avoir 45 ans. Aux États-Unis, il faut avoir 35 ans. En France, il faut avoir 18 ans. En 2011, c'était 23 ans. Donc, c'est discriminatoire. Aux États-Unis, il faut résider sur le sol américain pendant 14 ans. Il faut être citoyen américain de naissance, de naissance. Vous voyez? Donc, chaque pays a ses réalités. Et la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que l'atmosphère politique est pourrie, envenimée, empoisonnée par ce rodéo politique entre ces trois leaders. Dès l'instant où nous aurons passé ce cap, on aura une nouvelle génération qui va se battre avec des idées, qui va se battre avec ses idées. Où ce ne sera pas celui qui distribue le plus de t-shirts, le plus de vélos, le plus de posters qui gagne, mais c'est celui qui arrive à convaincre avec ses idées. C'est ça qui fait qu'un pays devient fort, qu'un pays devient riche, qu'un pays devient puissant. C'est pour ça que nous nous battons, mais ce que nous faisons là, ce n'est pas dirigé contre M. Ouattara, M. Bédié ou M. Gbagbo. C'est parce qu'on veut que la Côte d'Ivoire devienne une nation, pas seulement un État. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une nation. Les Ivoiriens se définissent en nordistes. En sudiste. Voilà. Donc, on n'est pas encore une nation. On n'est pas un État-nation. Voilà. On est juste un État où cohabitent plusieurs communautés. Le sentiment national, l'intérêt général doit prévaloir pour qu'on soit une nation forte. Il faut qu'on arrive à un État où, quand l'équipe nationale joue, il n'y a pas des gens qui estiment que, comme c'est le RHDP qui est au pouvoir, il faut que l'équipe nationale perde. Comme c'est le FPI qui est au pouvoir, il faut que l'équipe nationale perde. Mais que l'équipe nationale soit portée par toute la nation. En ce moment-là, on dit nous sommes une nation. Voilà le sens du vrai combat. Oui, allô? Allô, oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Bonnet, j'aimerais participer à votre émission. Oui, vous êtes en direct, allez-y. Moi, tout ce que je vous demande, monsieur, honnêtement, vous devez présenter vos excuses aux Ivoiriens. Parce que, d'abord, je me présente, je suis monsieur Koné. Oui. Vous nous avez appris à faire la politique autrement. Je vous dis sincèrement, tout 2020, vous avez enseigné sur la toile ici à faire la politique modérée, sans injures, idée contre idée. Vous avez bien appris tous les Ivoiriens, personne ne peut dire le contraire. Et au dernier moment, la décision que vous avez prise, je ne sais pas comment Soro a réussi à vous convaincre pour vous amener de l'autre côté, et vous avez pris la mauvaise décision à vous retrouver dans un gouvernement illégal. Vous êtes même parti plusieurs fois.
sur Afrique Média pour changer. Ces changements, j'ai rien compris. Mais je Aujourd'hui, connais, mais je quand connais. ça baisse sa place, je pense que Mais je la place connais, mais je appartenait à connais. Fingessa. Monsieur Koné, il y Oui, a beaucoup de gens oui. qui essaient d'appeler et qui interviennent. Posez votre question pour que je puisse répondre, pour prendre d'autres personnes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous, s'il vous plaît, votre position, c'est quoi? Et moi, je voulais savoir votre position, c'est où? Moi, je ne suis plus membre d'un parti politique. J'ai démissionné du Ah, d'accord. FPI, je ne suis plus membre d'un parti Oui. politique. Donc, je me considère comme quelqu'un qui est dans la société civile. Voilà. Ok. Merci. Merci. Soumaoro Gbagbo demande que le mandat passe à 2 ans. Non, pas que le mandat passe à 2 ans. Je crois qu'il demande qu'il y ait 2 mandats. Voilà, que le mandat soit limité à 2. Voilà. Mais c'est le cas actuellement avec la Constitution. C'est le cas actuellement. N'est-il pas nécessaire de limiter l'âge et les jeunes sont issus des 3 grands? Oh, j'ai pas compris votre question, si vous pouvez mieux la reformuler. Le numéro c'est 0707 31 32 82. Voilà. Donc, œuvrons à construire une nation. Laissons les pro. C'est ça qui a envoyé la Côte d'Ivoire dans le trou. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens ne voyagent pas. Si beaucoup d'Ivoiriens voyageaient, ils verraient que autour de nous, en Afrique, au Sénégal, au Burkina, au Ghana, etc. Mais les pays sont en train de se développer. Sont en train de se développer alors que la Côte d'Ivoire était loin, 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 loin devant ces pays-là. Mais nos querelles, l'instabilité chronique fait qu'on n'arrive pas à se développer convenablement, à devenir un vrai pays émergent. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur Jean Monnet. Oui, bonsoir, monsieur. Bon, en fait, je n'ai pas de questions, juste que je vais vous donner un petit point de vue. Bon, je sais maintenant que vous avez démissionné officiellement du FPI. Oui. Bon, maintenant que le FPI devient un parti fréquentable, Oui. bon, moi, je souhaiterais, à mon humble avis, je souhaiterais que vous y adhériez à nouveau. D'accord. OK. Merci. Voilà, parce que je vous en prie. Oui, vous êtes nombreux, très nombreux, à me demander de repartir au FPI. Bon, je voudrais vous en remercier. Je voudrais vous en remercier. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'occupe une fonction, je suis dans une mission qui ne me permet pas de militer dans un parti politique. Quand j'aurai fini, à ce moment-là, j'aviserai où j'irai. Oui, allô? Alors bonsoir, je me suis abonné. Oui, bonsoir, monsieur. Je m'appelle Sylla Lucien, j'appelle depuis Paris. D'accord. Je voudrais intervenir Oui, dans votre allez-y, émission. allez-y, allez-y, vous êtes en direct. Oui, Monsieur Jean Bonnet, moi je voudrais savoir quelque chose. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'état actuel de la politique ivoirienne, Oui. est-ce qu'il n'est pas mieux que ces trois grands leaders laisse la place à la jeunesse? Ah, mais C'est la première question. bien sûr, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Voilà. Et la deuxième question, Oui. je voudrais aussi dire que le problème de la Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui se croiraient plus Ivoiriens que d'autres. Ils ont oublié la guerre de 2011 et sont en train de pourrir la vie des gens. C'est Si on ne ça. fait pas garde, c'est pas bien. C'est ça. C'est pour ça que je pense C'est ça que le problème. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. si, la Côte d'Ivoire est un pays. Il faudrait le dire honnêtement, n'est pas caché, n'est pas se cacher la voile. Sincèrement, c'est une question qui pourrit la nation. Et si on ne fait pas attention, ce n'est pas bien. C'est vrai, Et c'est vrai. c'est dès maintenant qu'on doit régler ce problème une bonne fois pour toutes. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci pour votre intervention. Alors, la Côte d'Ivoire est un pays, je veux dire, d'immigration. C'est-à-dire que les gens immigrent en Côte d'Ivoire. Mais c'est une richesse. C'est une richesse. La première puissance mondiale, les États-Unis, sont un pays d'immigration. 60 à 70% des prix Nobel
de sciences, de la paix, d'économie, etc., viennent des États-Unis. Mais ce n'est pas forcément des natifs américains. Ce sont des gens qui ont immigré aux États-Unis. Ça donnait un président comme Obama. Voilà la réalité. Aujourd'hui, la vice-présidence Kamala Harris, elle est issue de l'immigration. Donc, mais pendant des années, des années, des années, on a mis dans la tête des Ivoiriens que les problèmes des Ivoiriens, ce sont les immigrés. Ce sont les pays environnants qui sont venus se chercher en Côte d'Ivoire. Et beaucoup d'Ivoiriens ont épousé ces concepts tribalistes, xénophobes, qui font que l'étranger est mal vu. Alors que c'était l'époque en Côte d'Ivoire, en tout cas sous Houphouët-Boigny, l'étranger n'était pas mal vu. On vivait en parfaite harmonie. On avait des ministres qui s'appelaient Diawara, on avait des ministres qui s'appelaient Battesti, etc. Oui, on vivait en parfaite harmonie. Moi, j'étais au lycée à Nice avec les enfants de François Battesti, mais ça n'a jamais posé de problème. Ils étaient ivoiriens. Qu'il soit blanc, qu'il soit métis, il est ivoirien. C'est ça qui est important. Et donc, il faut bâtir notre économie, notre force sur la diversité que nous représentons. C'est une force. Pour autant que l'étranger qui est en Côte d'Ivoire et qui devient ivoirien respecte nos lois, ça ne pose pas de problème. Il y a actuellement, officiellement, 1 200 000 Ivoiriens en France. Rien qu'en France. Je ne sais pas combien il y en a en Italie. Je ne sais pas combien il y en a en Allemagne. Je ne sais pas combien il y en a en Belgique, en Espagne, etc. Mais si officiellement on a 1 200 000 Ivoiriens, ça veut dire qu'officieusement on doit avoir au moins 2 millions d'Ivoiriens ici. Donc on a peut-être 10 millions d'Ivoiriens dans la diaspora. Et donc, on ne peut pas être dans un tel environnement et puis en vouloir aux étrangers. Est-ce que les étrangers nous empêchent de faire du commerce? Non, c'est à nous de nous organiser. C'est à nous de nous organiser. Mais il ne faut pas avoir la mémoire ou l'indignation sélective. Quand un Sam l'Africain, Sam Gishi, qui est d'origine libanaise, je crois, veut faire la politique, ça ne choque pas certaines personnes. Mais ça choque d'autres personnes qu'un Kouyaté veuille être maire à Lakota parce qu'il s'appelle Kouyaté. Mais c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Vous voyez? Donc, il faut qu'on en finisse avec ces concepts rétrogrades. Et moi, personnellement, ça me gênait quand j'étais au FPI. Que certains cadres, certains anciens ministres tiennent ce genre de discours. Que le président Gbagbo n'ait pas favorisé le vrai vivre ensemble. Le vrai vivre ensemble. Et qu'il ait surfé sur cette thèse. Je suis le candidat des Ivoiriens contre le candidat de l'étranger. Ce n'est pas fair play. On ne peut pas dire d'un candidat qui a été validé par le Conseil constitutionnel que c'est un candidat de l'étranger. Vous voyez? Et donc, c'est un venin qu'on a inoculé dans l'esprit de certains Ivoiriens faibles d'esprit, naïfs, et aujourd'hui qui gangrènent la société ivoirienne. Voilà. On doit réapprendre à se faire confiance, on doit réapprendre à bâtir une nation plurielle, arc-en-ciel, forte. Voilà notre combat. Ah, il a coupé. Voilà. Alors, je prends vos questions en commentaire. Oui, allô? 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 Oui, bonjour, monsieur Bonnet. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, j'aimerais intervenir Oui, sur le direct. allez-y, s'il vous plaît. Vous êtes en direct déjà. D'accord. Alors, notamment par rapport à ce que vous avez dit sur enfin, les démocraties africaines. Oui. Voilà. Vous avez parlé, vous avez donné l'exemple des États-Unis qui avaient enfin, plusieurs étrangers qui intervenaient un peu dans la politique américaine, qui faisaient un peu la pluralité,
cette démocratie-là. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que les démocraties en Afrique sont contraires des démocraties un peu plus poussées en Europe. Ce qui fait que en Europe, enfin, aux Amériques, c'est plus facile pour une personne voilà, de respecter les tests d'une constitution, alors que quand on arrive en Afrique, on a un problème. Parce qu'en Afrique, les gens n'appliquent pas les tests qu'eux-mêmes ils écrivent. Ok, d'accord, merci. La question du respect de la Constitution est fondamentale. Quand on vote une Constitution, il faut la respecter. Allô, M. Jean. C'est pour ça qu'Obama, oui, excusez-moi deux minutes. C'est pour ça qu'Obama a dit, il faut qu'on ait des institutions fortes. Oui. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Ça, c'est une réalité. Nous, on veut des hommes forts. Je suis Bagourien, je suis Bédiourien, je suis Adourien. On veut des hommes forts, alors qu'il nous faudrait des institutions fortes. C'est ça, effectivement, une de nos faiblesses. Oui, allô, allô? Oui, oui. Je vous prends un mot par rapport au problème de M. Kouyaté à Divo. D'accord. Vous savez, on ne voudrait pas se cacher la face. Oui. Le FPI a diabolisé les nordistes. Il faut le dire ouvertement. Le péché des FPI, ils ont traité tous les nordistes d'étrangers. Il faudrait qu'on appelle le chat par le chat. Alors que nous, comme tu l'as dit, la Côte d'Ivoire est une terre d'immigration. On est tous venus de quelque part, venus s'installer en Côte d'Ivoire. Que tu sois Baoulé, que tu sois Doula, que tu sois Kéa, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens se connaissent. Mais je suis content sur ce que vous abordez ce sujet. Il faudrait le faire avec vraiment beaucoup d'intelligence. Et puis avec beaucoup de subtilité, parce que c'est très important. Ça fait peur, je vous assure. Bien ça sûr, fait peur quand bien tu viens sûr. Bien sûr. Je peux comprendre. Ça fait peur. Je peux comprendre la frustration de certaines personnes qui sont du Nord à qui on dénie la nationalité ivoirienne simplement parce qu'ils s'appellent Kouyaté ou s'appellent Sekou ou s'appellent Mamadou. Je peux bien comprendre alors ça. Que nous, voilà, nous, alors que nous connaissons l'histoire de ce pays-là. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien donc, franchement, il faudrait traiter cette histoire avec beaucoup d'intelligence et je voudrais que tu reviennes dessus chaque fois. Il faudrait qu'on sensibilise les parents. C'est important. D'accord. Merci bien. Voilà, merci beaucoup. Oui, allô? Allô? Allô, M. Bonnet? Oui. Voilà. Donc, ma seconde question, c'était d'intervenir un peu sur la limitation des mandats. Oui. Voilà. En fait, en 2015, on avait une constitution qui prévoyait déjà la limitation du mandat. Alors, pourquoi cette hypocrisie intellectuelle aujourd'hui, en 2021, en faisant croire qu'on ne savait pas que cette constitution-là disposait d'une précision quant à la limitation des mandats? Parce qu'elle existe bien depuis longtemps. Aujourd'hui, si Gbagbo dit qu'il veut être candidat, il passe sous le respect de la Constitution. Si M. Ouattara dit qu'il veut être candidat, il passe sous le respect de cette Constitution. Donc, en fait, c'est une hypocrisie intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, nos députés qui ont voté cette même loi-là, aujourd'hui se retrouvent piégés parce qu'on ne peut pas nous dire qu'ils ne savaient pas que cela allait se passer. Ok. Je pense ouvrir ma démarche. J'ai compris. Je vais intervenir dessus. Merci. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, M. Jean Bonnet, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je suis en train de vous suivre tout à l'heure. D'accord. Et j'aimerais intervenir dans votre émission. Ok, allez-y. Ok, M. Jean Bonnet, moi je suis au Burkina Faso. Je suis ivoirien et je suis au Burkina Faso. D'accord. J'ai acquis la nationalité par alliance. Oui. Mais ce que vous êtes en train de dire là, moi je ne sais pas si c'est parce que c'est pour nuire peut-être au FPI ou bien à Gbagbo que vous parlez de ça. Mais même au Burkina ici, c'est une réalité. Même vous voyez le gouvernement burkinabé, il y a des Burkinabés qui sont là, qui se plaignent pour dire que les ministres qui sont avec Roch Kabore aujourd'hui, ce sont des diasporos. Des gens qui ont fréquenté en Côte d'Ivoire, des Burkinabés, qui ont fréquenté en Côte d'Ivoire qui sont ici. Donc ils se plaignent. Ils disent que oui, ces gens-là, ils ont deux pays. Donc si au Burkina ici ça chauffe, ils peuvent fuir un jour pour aller en Côte d'Ivoire. Et nous-mêmes qui sommes ici, quand nous sommes dans des administrations, c'est comme ça, on nous taxe. Est-ce que vous voyez un peu? On nous taxe les Ivoiriens, on nous taxe, c'est une réalité.
C'est une réalité. Et c'est le problème réel de l'Afrique. Ce n'est pas seulement le FAI ou bien quoi que ce soit. Son index, mais demander à tous les Ivoiriens qui sont un peu ailleurs dans la sous-région, c'est pareil. Or que moi, j'ai la nationalité, je peux tout faire ici, mais on nous taxe de... Il faut que tous les Ivoiriens et les Africains s'unissent, comme Sankara avait dit, pour trouver un terrain d'entente pour travailler. Sinon, tout ça, là, ça existe partout. Ce qui se passe là, ce n'est pas seulement les Nordistes. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ça existe partout. Donc, c'était ce que je voulais dire. Merci. D'accord, merci. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur Jean Bonnet. Bonsoir, monsieur. Voilà, je voulais juste faire une petite intervention. J'ai entendu un peu qu'on a parlé oui, allez-y. De la limitation d'âge, etc., etc. Oui. Et puis, j'ai un peu écouté le fil de tout ce que vous avez dit. Mais je reviens sur un petit problème. Oui. Ces histoires de régionalisme, un candidat par région, Babo, un côté avec les gens de l'Ouest, Ouattara, le Nord, et Dieu, le Centre. Maintenant, ces jeunes-là qui ont 30 ans, 40 ans, qui sont nés dans ça, là, qui sont nés dedans, en réalité, pour moi, le véritable problème, ce n'est pas nous autres, ce n'est pas nos générations à nous. C'est cette génération de jeunes-là sur laquelle il faut faire un véritable travail. Ce travail-là, c'est de leur dire quoi? Vous avez hérité des palabres de vos parents et la situation a évolué, les choses ont évolué, le monde change. Problème que vos parents avaient aujourd'hui. Je pense qu'en tant que vous, société, maintenant que vous n'êtes plus politicien, je pense qu'il y a un véritable travail à faire dans ce sens-là, sur cette jeunesse, les 30-40 ans, tout bord confondu, hein, FPI, RHDP, PDCI, ce sont ces jeunes-là qu'on voit, qu'on a vu pendant faire des barricades pendant les élections, ce sont ces jeunes-là qu'on a vu s'entretuer, jouer au ballon avec la tête des uns et des autres. Je veux dire, il y a un vrai problème à faire sur cette jeunesse-là. Si on ne peut pas les occuper en leur donnant des emplois, il y a un vrai travail à faire d'éducation civique, d'éducation patriotique, en leur disant, voilà, il faut vraiment leur expliquer quelque chose. Moi, je pense que tous les autres problèmes qu'on a parlé, par ailleurs, limitation d'âge, ceci, cela, là, on va revenir à ceux qui vont voter. Qui va voter? Ce sont ces jeunes-là, qui représentent près de 70% de la population. D'accord. Il ne faut pas s'asseoir, c'est vers eux qu'il faut réfléchir. Voilà mon intervention. Merci à vous. Oui, allô? Allô? Bon, alors, je voudrais répondre au monsieur qui a appelé du Burkina Faso. Vous savez, chaque pays a ses réalités. Franchement, je ne connais pas les réalités du Burkina Faso. Je ne sais pas si le Burkina est une terre d'accueil, une terre d'hospitalité, comme la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Notre hymne national le proclame. Pays de l'hospitalité. Donc, on a été bercé avec ça. On a été bercé avec ça. Oufou Boigny a été député en France. Il a été député en France. Vous voyez? Et donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est qu'à un moment donné, on a reproché à l'étranger d'être à la base de nos malheurs. On a instrumentalisé, on a distillé ça dans l'esprit des gens. Au point où le nordiste était considéré comme un étranger, parce qu'on trouve des Koulibaly à Korogo, mais on trouve également des Koulibaly au Burkina ou au Mali. On trouve des connés au Burkina, peut-être au Mali, mais également en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a eu cette confusion, cette assimilation qui a fait beaucoup de mal à une certaine communauté. Vous vous rappelez, à un moment donné, sous le FPI, on disait aux gens, pour qu'on sache que tu es vraiment ivoirien, il faut aller faire ta carte d'identité dans ton village. Donc, est-ce que ça, c'est une manière moderne de gérer un État en demandant aux gens d'aller faire les cartes d'identité dans leur village? On n'a plus confiance à l'administration étatique, à l'état civil, où on demande aux gens d'aller dans les villages. Imagine si en France, on dit aux gens, pour prouver ta nationalité, il faut que tu ailles dans ton village. Voilà, vous voyez. Donc, il y a eu beaucoup de dérives, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas parce que le Burkina Faso, d'après ce que vous dites, se comporte de cette manière que nous, en Côte d'Ivoire, on doit également épouser ces pratiques-là. Moi, personnellement, je souhaite que la Côte d'Ivoire soit un pays ouvert. Que la Côte d'Ivoire soit un pays ouvert. Parce que l'ouverture n'est pas une faiblesse. Comme je vous l'ai dit, le pays le plus puissant au monde, c'est le pays le plus ouvert, ce sont les États-Unis. Voilà. Vous allez à San Francisco, vous avez le Chinatown.
Vous avez l'impression d'être en Chine. C'est ça qui a permis à Obama d'être président là-bas, alors qu'il a des origines kényanes. Vous voyez? Donc, ne soyons pas complexés de notre ouverture, de notre sens de l'accueil, de l'hospitalité. On nous a envenimé l'esprit avec ces concepts-là, mais aujourd'hui, il faut qu'on revienne aux fondamentaux de ce qui a fait la grandeur de la Côte d'Ivoire. Oui, allô? Oui, bonjour, Monsieur Bonheur. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, j'aimerais intervenir sur la question qui porte sur les étrangers et notamment l'hospitalité à laquelle vous faites allusion. D'accord. Alors, on va prendre des chiffres pour étayer les propos. Oui. Est-ce que pendant la gouvernance du FPI, les 10 ans pendant lesquels le FPI de Gbagbo a été au pouvoir, Oui. est-ce que le taux d'immigration a baissé? Parce que selon des chiffres officieux, je crois, nous sommes à 26% à peu près d'étrangers en Côte d'Ivoire. Et je ne pense pas que ces dernières années-là, ces 20 dernières années, ce taux ait baissé de quelque manière que ce soit. En plus, je ne me souviens pas qu'il y a eu de manière organique, de manière structurelle, de manière officielle, des mesures qui ont été prises pour freiner cela ou pour rapatrier des immigrés, comme on a pu le voir dans certains pays comme en Angola, comme en Afrique du Sud, au Gabon, en Guinée équatoriale. Donc, on ne peut pas, sauf vraiment à vouloir chercher des poux sur la tête d'un chauve, on ne peut pas taxer les Ivoiriens d'être xénophobes ou d'être contre les étrangers. Parce OK. que Non, je vais répondre à votre dans une question. grande S'il vous politique. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, Voilà, vous n'avez pas allez-y. fait les questions et les réponses. Voilà, vous avez posé les questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Je pense que vous-même, vous avez dit avoir du mal à me joindre. Alors, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire, dans son ensemble, est xénophobe. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a eu des discours xénophobes qui ont été tenus par certains cadres du FPI. Quand récemment, Lida Kwasi dit, il est inacceptable qu'un Kouyaté veuille être maire de Lakota chez les Dida, alors que lui-même il a été député chez les Ébriers à Makouri. Je trouve que c'est xénophobe, c'est tribaliste. Je peux vous donner le même Quand exemple dans le Nord. je finis, je finis, Dans je le Nord, finis, pendant la législative, je finis, s'il vous où plaît. le jeune frère de Sidiki Konaté a été chassé. Donc, je veux dire, on peut trouver ces Je exemples-là vais dans toutes les finir, je régions de vais la Côte finir, s'il vous d'Ivoire. plaît. Je vais finir. Je vais finir. Après, je vous donne la parole. Quand Marie-Odette Lorion dit il faut que le FPI revienne au pouvoir parce que la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens, ça veut dire quoi? Que ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire ne sont pas des Ivoiriens. Donc, il y a des gens qui sont insignifiants, qui peuvent tenir des discours, c'est pas grave. Mais quand des hauts responsables d'un parti, président des femmes d'un parti, ministre de la Défense, ex-ministre de la Défense, ça n'a pas le même poids. Vous voyez, si vous dites les étrangers sont ceci, ça n'a pas le même poids que si un ministre en exercice ou un ancien ministre tient ce même discours. Quand au niveau d'un État, on dit, oh là, apparemment il y a trop d'étrangers en Côte d'Ivoire, il va falloir maintenant que pour être ivoirien, pour établir ta carte d'identité, il faut que tu ailles au village et que dans ton village, on témoigne qu'effectivement tu es de ce village, ça pose un problème. Ça pose un problème. Vous voyez, mes enfants sont nés aux États-Unis, ben, ils sont jamais allés au village, ils ne connaissent pas leur village. Et donc demain, on va leur dire, tu n'es pas ivoirien parce que on ne t'a jamais vu au village, personne ne te connaît au village. Voilà. Donc, il y a eu des discours officiels ou officieux qui ont favorisé ce repli identitaire des Ivoiriens. Ou qui ont mis à mal la cohésion nationale. C'est une réalité. Maintenant, je ne dis pas qu'au Nord, il n'y a pas également ce repli identitaire. Bien sûr qu'il y a ce repli identitaire. Bien sûr que ça arrive. Il suffit de voir les scores du RHDP ou du RDR au Nord, avec des scores de 99%, pour comprendre qu'il y a un repli identitaire. On ne peut pas accepter que dans une région démocratique, un candidat puisse à lui seul recueillir 99% des voix. Donc, effectivement, il y a un problème, mais je pointe ce que je sais. Voilà. Merci. Alors, Allô?
Voilà. Oui, allô? Alors, je prends. Oui, allô? Allô, M. Bonnet. Oui. Alors, moi, j'aimerais revenir un peu sur la politique nationaliste des États-Unis. D'accord. On a assisté lors de la venue au pouvoir de M. Donald Trump, Oui. le préfet du slogan American First. C'est ça. Est-ce que c'est pour autant dire qu'il n'aimait pas les autres peuples parce qu'il a privilégié d'abord l'Amérique? Maintenant, revenons à la Côte Non, d'Ivoire. mais je vais vous reprendre d'abord avant de revenir au point de la Côte d'Ivoire. American first, ça veut dire l'Amérique d'abord. Ça ne veut pas dire les Américains d'abord, c'est différent. Mais qui compose l'Amérique? Ah non, mais il y a des Afro-Américains comme Obama, comme Jesse Jackson, comme plein de choses, voilà, de descendants Afro-Américains qui sont là-bas. Donc il ne dit pas l'Amérique d'abord, c'est-à-dire l'Amérique blanche d'abord. Il dit l'Amérique d'abord, mais il ne dit pas les Américains ou les Américains blancs d'abord. Nuance. Ok, votre deuxième préoccupation? Deuxième préoccupation, c'est Oui. sur la limitation des mandats. J'avais appelé tout à l'heure, je dis, mais on ne comprend pas quelque chose. En 2015, l'ancienne constitution disposait déjà de la limitation des mandats et de l'âge minimum. C'est ça. Donc, quelle est cette hypocrisie aujourd'hui intellectuelle de vouloir dire que certaines personnes ne respectent pas voilà, la limitation des mandats? Alors que si en 2021, M. Ouattara n'avait pas fait un troisième mandat, il était hors jeu parce qu'il avait déjà dépassé ses deux mandats, il avait dépassé déjà les 75 ans. Donc aujourd'hui, on fait semblant de taxer peut-être M. Gbagbo de vouloir rester au pouvoir. Bon, je fais un procès d'intention. Mais en réalité, on est hypocrite sur la question. Parce qu'on sait très bien que M. Ouattara détient les clés du pouvoir législatif, il décide de ce qu'il veut faire. Donc, tant que, enfin, tant qu'il ne veut pas passer le pouvoir, il ne passera pas le pouvoir. Je pense D'accord, que vous ok. comprenez. Je vais répondre à votre question. Je pense que des trois leaders, celui, honnêtement, celui qui a montré des velléités de passer le pouvoir à une nouvelle génération, c'est M. Ouattara. Pourquoi? Parce qu'en 2020, M. Ouattara n'était pas le candidat initial du RHDP. C'était M. Gon Coulibaly. Et personne ne pouvait prédire la mort de M. Gon Coulibaly. Non, mais les problèmes internes du RHDP ne sont pas les Non, problèmes j'arrive, internes du j'arrive. peuple. Je vais finir, je vais finir, je vais finir. Malheureusement, le direct est coupé. Je ne sais pas pourquoi. Le direct est coupé. Je vais le. D'accord. Voilà. Bon. Je vais le relancer. Et donc, il avait au moins cette intention.